Alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 33e causerie sur la question de l'homme et nous avions abordé jusque-là, après avoir longuement développé la question de la providence divine qui distingue, s'agissant de l'espèce humaine, l'humain en tant qu'espèce de l'humain en tant qu'individu, de la singularité de l'humain, qui procède d'une initiation qui lui est particulière, ce que moi j'appelle une biographie personnelle. Et à partir de là, nous avons abordé la question de l'intérêt, en fait, de l'initiation dans le cadre de la question globale du désintéressement. Et là, nous avions apporté, pour résumer très vite, un point de distinction fondamental entre la conception d'un côté de Leibovitch et de l'autre de Soloveitchik, qui sont deux grands penseurs du judaïsme du XXe siècle. Pour Leibovitch, l'initiation n'est qu'un moyen pour parvenir à ce que l'homme serve Dieu. Il n'y a pas d'autres raisons qui définissent la nécessité de servir Dieu que celle de servir Dieu. Donc, tous les éléments qui permettent d'y parvenir sont des éléments conjoncturels et procèdent d'un besoin qui va vers un but. Tandis que lorsqu'on a lu enfin, un petit peu les textes de Soloveitchik, et c'est aussi l'intuition que votre serviteur a, on est arrivé à la conclusion totalement inverse, qu'en réalité les commandements visent le but de perfectionner l'homme, et que l'initiation est constitutive, est intrinsèque, j'ai envie de dire, au plan divin, si tant est de dire qu'il y aurait un Dieu qui aurait établi un plan. À partir de ces notions sur le désintéressement, il m'a paru intéressant d'aborder la question de ce que dans la littérature talmudique on appelle l'ishma et lo lishma. On a déjà vu ce terme. L'ishma, ça veut dire j'accomplis la Torah pour son nom à elle, littéralement pour son nom à elle. Shem, hein, c'est le nom. Et donc dans ce cas, ça signifie que j'accomplis la Torah pour aucune autre raison que celle d'accomplir la Torah. Et il y a lo lishma, c'est-à-dire ce n'est pas pour son nom à elle, mais c'est pour mon nom personnel, c'est pour ma propre personne. Et que d'une certaine manière, on touchait dans le point de vue talmudique la question kantienne sur la problématique du désintéressement. Alors, pour aborder la question d'un point de vue de Kant et d'un point de vue de la logique talmudique, puisque c'est cette logique-là qui va nous éclairer sur la distance que nous prenons, que nous osons prendre avec Leibovitch, qui propose, même s'il s'en défend, on va le voir tout de suite, une lecture kantienne du désintéressement. Donc, je vais aller très vite pour poser quelques éléments, et les séances suivantes, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous lire un extrait de la préface d'un livre de Kant qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison. Et il dit quelque chose qui me semble intéressant d'analyser d'abord, avant d'introduire la grande révolution philosophique, on pourrait dire, de Kant, sur la question à la fois de ce qu'on appelle l'acte moral et sur la question de ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Vous verrez que ces deux éléments sont à la fois concomitant et à la fois très, très, très antinomique. On va aborder ça tranquillement, parce que derrière tout ça, il y a une conception talmudique qui, sans faire d'anachronisme, hein, plus de 12 ou 13 siècles avant Kant, a posé ces questions. Donc c'est intéressant de voir la manière dont le Talmud a illustré, dans le contexte halakhique, c'est-à-dire le contexte dans sa manière de penser la tradition juive, a compris cette question du désintéressement. Alors, Kant nous dit, fondé sur le concept de l'homme qui est celui d'un être libre et se soumettant de lui-même à des lois inconditionnées, la morale n'a pas besoin de l'idée d'un être supérieur à l'homme pour que l'homme connaisse son devoir, ni d'un autre mobile que la loi même pour qu'il l'accomplisse. Ce qu'il dit déjà ici d'entrée de jeu est extrêmement intéressant et même extrêmement libérateur. Je ne suis pas que critique à l'endroit de Kant, heureusement, sinon je ne serais pas crédible.
il arrive parfois qu'on puisse tomber d'accord. Il dit ici quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui tord le cou à pas mal d'idées reçues. On a tendance à définir la religion comme étant constitutive de la religion. La morale, pardon, comme étant on a tendance à définir la morale comme étant constitutive de la religion. La religion offre un cadre moral, puisque les lois sociales de la Torah et de toutes les religions dites entre guillemets monothéistes, mais en tous les cas toutes les valeurs religieuses, sont constituées de textes qui nous disent qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas faire du mal à son prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Donc on a tendance à définir la religion comme étant constitutive de la morale. Or, dans mon livre de la violence juive, j'ai analysé cette question en profondeur et j'ai expliqué pourquoi, de mon point de vue, la morale, c'est l'antinomie de la religion. Quand je dis l'antinomie, je ne veux pas dire que c'est une contradiction qui ferait que ou on choisit la voie morale ou on choisit la voie religieuse. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'entends le sens d'antinomie. Mais je définis l'antinomie par la définition des paradigmes, c'est-à-dire par la définition des termes. La religion, c'est quoi, si on devait définir la religion? Alors le terme de religion ne va pas, mais on n'a pas un meilleur terme en français, donc on l'utilise. C'est l'idée qu'il y aurait une prétendue révélation de Dieu à un prophète, ou en tous les cas au peuple, et qui lui aurait soumis des lois. Et ces lois, le croyant doit les suivre. En tous les cas, il doit se soumettre, en fait, à la loi divine. Donc lorsque dans le décalogue nous avons cette phrase « Tu ne tueras point », le croyant entend « Je dois me soumettre à l'interdiction de tuer en dépit de ma propre volonté ». Donc là, je fais exprès d'utiliser le terme de volonté qui est justement très cher à Kant. C'est-à-dire que j'annihile ma propre volonté au profit d'une volonté qui m'est supérieure, qui me dit de ne pas tuer. Or, la morale ne dit pas ça du tout. Elle dit tout autre chose. Qu'est-ce que c'est que la morale? Il y a un texte au début des Maximes des Pères de Maïmonide, au début des Guides des Égarés, pardon, au début du Guide des Égarés de Maïmonide, qui nous dit quelque chose que je vous avais déjà dit à plusieurs reprises, qui nous dit que, en fait, il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle la raison de ce qu'on appelle le bien et le mal. Maïmonide va distinguer ce que lui il appelle le vrai et le faux de ce qu'il appelle le bien et le mal. Et voilà ce qu'il dit. Il dit la raison, donc le vrai et le faux, le vrai et le faux, pardon, procède uniquement de la raison. Ça procède de la raison. C'est rationnel de savoir qu'une chose est vraie ou de savoir qu'une chose est fausse. Par exemple, il donne cet exemple, si je dis que la Terre est plate, ça n'est pas quelque chose de moralement mal. C'est pas quelque chose de mal. C'est pas mal de dire que la Terre est plate. C'est simplement quelque chose de faux. Donc le vrai et le faux, c'est pas de la morale. C'est de la rationalité. Le bien et le mal, en revanche, nous dit Maïmonide, et il ajoute, enfin c'est pas qu'il ajoute, mais c'est le sens du mot qui est double tranchant, le laid et le beau, donc l'esthétique, ça procède des opinions. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Ce qui fait que si on parle de la morale en tant que vectrice, en fait, de loi, qu'on appelle les lois morales, ben forcément, elles sont conjoncturelles. Elles dépendent des époques, elles dépendent des cultures, elles dépendent des opinions, elles dépendent de diverses choses. On peut, moralement, je le dis dans mon livre de la violence juive, justifier la peine de mort au nom de la morale, comme on peut exactement au nom de cette même morale, et en s'employant exactement avec les mêmes arguments, être abolitionniste. Pourquoi? Tout simplement, si je définis que la morale exige de favoriser la vie, je pose ce principe, le principe moral universel, ça exige de favoriser le vivant, donc je dirais, au nom de la morale, je ne tue pas un criminel parce qu'il faut favoriser le vivant. Donc je n'ai pas de légitimité à le tuer. Mais je peux dire aussi, au nom de la morale, je tue un criminel pour favoriser le vivant parce que si je ne le tue pas, il risque d'en tuer d'autres. Donc il vaut mieux en sacrifier un qu'en sacrifier beaucoup.
Donc, au nom de la morale, je ne dis pas que c'est juste. Je ne suis pas dans le jugement des deux arguments. Moi, je suis abolitionniste de toutes les façons. Mais je pose ces deux arguments pour qu'on comprenne bien que quand on dit morale, qu'est-ce qu'on met dedans? On peut justifier jusqu'à une certaine mesure l'avortement moralement, comme on peut moralement considérer que c'est un crime. La morale permet, en fait, plusieurs opinions possibles. Et donc, à partir du moment où la morale, elle permet plusieurs conditions possibles, à partir de là, on ne peut pas définir la morale à partir de son contenu. On est donc obligé de le définir à partir de son contenant. Qu'est-ce que ça veut dire de son contenant? Ça veut dire à partir de son concept. Qu'est-ce que la morale? Donc, j'arrive à cette conclusion dans mon livre de la violence juive, que la morale, et là, je rejoins Kant, on va le voir tout de suite, c'est l'adéquation totale entre la conscience de l'homme et ses actes. Je peux, par exemple, pratiquer un bienfait, je peux faire du bien à mon prochain, mais ce bien que je vais faire à mon prochain, je vais le faire parce que j'ai un intérêt que mon prochain se sente bien, parce que ça m'apporte un apaisement, ou bien parce que tout simplement, après moi je vais avoir envie de lui demander un service et je vais vouloir qu'il accepte. Donc ça va être avec intérêt. Donc là on est dans la problématique kantienne avec l'affaire du philanthrope. À partir du moment, j'y reviendrai sur l'exemple du philanthrope, là je le mets en passant parce que c'est un exemple très important. À partir du moment où j'ai en fait, dans mon attitude de gentillesse, de bienveillance à l'égard de mon prochain, un désir d'obtenir de lui quelque chose, mon acte ne peut pas être défini comme étant moral. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en adéquation à 100% avec ma conscience. Si j'avais ce même intérêt, me pousserait en fait, si ce même intérêt me poussait à appliquer quelque chose qui est plutôt contraire à la loi morale, je le ferais certainement pour mon besoin personnel. Donc, à partir du moment où il y a un autre intérêt qui me force à agir moralement que ma propre conscience, donc mon acte n'est pas moral. Il n'est pas forcément immoral, il n'est pas moral en tout cas. Pour qu'il devienne moral, même si je commets une erreur d'appréciation, il faut que la seule raison d'être de cette action soit le seul but de servir la morale. Pas autre chose que la morale. Donc de ce point de vue-là, on est tout à fait d'accord avec Kant. Que donc, lorsque nous parlons de religion, on est dans une antinomie entre la religion et la morale, puisque la religion, c'est dire « je ne tue pas parce que Dieu m'interdit de tuer ». Ma conscience, je l'annule au profit du commandement. Nous avons démontré dans notre livre de la violence juive que Maïmonide, en réalité, pas directement, mais c'est presque dit directement, pose cette problématique dans son traité des 8 chapitres et nous montre qu'en fait, il faut précéder la conscience à la religion. C'est-à-dire que la religion, la loi religieuse, est une loi qui s'inscrit, qui s'adresse, on va dire, à un être de conscience. Et dans ce cas, on protège l'individu de pouvoir, à partir d'une élucubration théologique de je ne sais quelle considération, justifier de commettre un crime au nom de Dieu, pour donner cet exemple. Donc je vais continuer je reviens sur la préface que j'étais en train de vous lire. Lorsque Kant nous dit que l'être libre, c'est celui qui n'a pas besoin de religion pour accomplir la morale, il ne dit pas qu'il faut pas avoir qu'il peut très bien avoir une religion, ce n'est pas le problème. Sauf qu'il ne justifie pas le bien fondé de ses actes à partir de la religion, mais à partir de la morale. Ce qu'il nous dit en fait Kant, et là ça devient extrêmement intéressant, c'est que la liberté ne repose pas sur le désir. Là aussi on pourrait faire cette erreur et dire qu'est-ce que c'est être libre? C'est faire ce qu'on veut. Kant il dit non, le désir est aussi une aliénation. À partir du moment où ce désir outrepasse ma conscience, puisqu'il va me permettre d'accomplir des actes qui peuvent être immoraux. Immoral d'un point de vue de ma conscience. On n'a pas de jugement moral sur l'action en elle-même. On l'établit à partir d'un cadre social, culturel, etc. Donc Kant nous dit en fait que l'antinomie en fait de la morale et de la religion, c'est que la morale n'a pas besoin de religion pour exister. Et il continue Kant, et il nous dit
c'est du moins la faute de l'homme, c'est l'homme qui n'a pas atteint un si haut degré de conscience, lorsqu'il se trouve dans une situation où il ne peut pas exister ou prendre un quelconque choix sans religion. Donc, s'il trouve en lui un besoin de ce genre, c'est-à-dire d'avoir une transcendance, auquel, dès lors qu'il ne peut plus remédier par rien, parce qu'il n'a pas de point de vue personnel, mais tout lui vient de quelque chose qui vient de l'extérieur, donc, car ce qui ne provient pas de lui-même et de sa propre liberté, donc ne saurait lui servir à compenser ce qui lui manque de moralité. Donc à partir du moment où l'homme n'a pas une morale issue de sa conscience, la religion ne pourra pas lui apporter quelque chose de plus. Donc l'homme n'a pas besoin de s'appuyer sur la religion, puisque la raison pratique se suffit à elle-même pour ce qui concerne l'action morale. Or nous venons de voir, et là c'est un point de détail sur lequel je suis en désaccord avec Kant, mais Kant n'a pas pu lire Maïmonide de cette façon-là, peut-être qu'il l'a lu, mais en tous les cas il ne le cite pas, c'est que c'est là où il y a une antinomie. C'est que de notre point de vue, la religion n'est pas et une antinomie de la morale par définition, mais elle devient un élément qui peut accompagner la morale dès lors qu'on situe la conscience de l'homme comme antériorité à l'acte religieux. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est ce qui me permet d'éviter de tomber dans une interprétation de la religion qui justifierait tout et n'importe quoi. Donc effectivement, il y a bien une distinction à faire entre religion et morale, mais la distinction à faire entre religion et morale ne se situe pas dans ce qu'on pourrait dire la justification de mes actes a posteriori, mais plutôt dans ce qu'il se définit au départ du point de vue de l'homme. Le point de vue de l'homme, c'est que l'homme a d'abord une conscience qui, de la même façon, lorsqu'un tyran, un dictateur, lui impose des choses, alors il connaît sa responsabilité, donc il n'agira pas en fonction de ce que le dictateur lui demande, parce que c'est contraire à sa morale. Il n'agira pas en fonction de ce qu'il croit être le commandement divin, lorsque celui-ci est contraire à sa propre morale. En tous les cas, ce que là, Kant commence par nous dire, c'est qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de religion sans morale. Il faut d'abord la morale pour qu'il puisse y avoir une religion. Mais si l'homme a la morale et qu'il agit moralement, la religion ne lui sert pas pour justifier moralement ses actes, pour légitimer en tout cas moralement ses actes. En revanche, pour ce qui concerne l'acte moral, c'est-à-dire le fait d'agir moralement, Lacan est radical et il pense qu'on agit moralement uniquement lorsque l'action qu'on est en train d'accomplir, elle n'a pas d'autre but que celle de servir la cause de la morale. Il faut aucun intérêt personnel, y compris dans le fait de trouver dans mon attitude quelque chose qui m'apportera un bien-être. Et voilà ce qu'il nous dit dans la critique de la raison pratique. Il dit « Agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours comme fin et jamais comme un moyen. À partir du moment où l'humanité est considérée comme une fin, c'est-à-dire que c'est mon rapport à l'autre qui définit en fait mon rapport avec la morale, alors là, dans ces cas-là, on pourra dire que j'agis moralement. Mais si, par exemple, je vais faire du bien à autrui parce que ça m'apporte une satisfaction personnelle, parce que c'est toujours sympa d'être sympa avec les autres, ils nous le rendent bien. Donc à partir de ce procédé, on n'est plus, d'après Kant, dans l'acte moral. Et Kant va nous donner cet exemple, c'est un exemple très connu, du philanthrope. On pourrait le donner aussi d'une boulangère, on va parler du philanthrope. Le philanthrope, c'est celui qui aime son prochain, entre guillemets. D'une manière générale, les plus grands humanistes sont souvent misanthropes, mais bon. Le philanthrope, c'est celui qui voit l'autre souffrir et qui va l'aider. Il va lui faire du bien, il va lui donner de l'argent quand il a besoin, parce qu'il est riche, donc il va aider les pauvres. Il va trouver dans cette aide qu'il va procurer aux autres
une satisfaction personnelle de son propre épanouissement. Mais si un matin il se réveille, il a été très ennuyé parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans son travail, il a eu une petite altercation avec sa femme qui l'a fait, qui l'a un peu, bref, il est de mauvaise humeur. Là, il est capable de ne plus être disposé à rendre service à son prochain. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Donc là, pour l'instant, il va devenir un peu égoïste pour un certain temps. Donc, il nous montre Kant, ça révèle que son acte n'est pas moral depuis le début. Si son acte était moral, son tempérament, son état de santé mentale n'aurait aucune incidence sur son action. Il la ferait toujours de la même façon. Alors, j'insiste là-dessus parce que j'ai un profond point de désaccord sur ce sujet précisément, sur le rapport entre la satisfaction personnelle que l'on trouve à nos actes et la question qui est d'ordre moral. Mais je prends ces éléments parce que, et c'est avec ça qu'on va conclure le cours d'aujourd'hui, parce que, étrangement, cette conception qu'il a de la morale, Kant, elle est très proche de la conception que, rappelez-vous, que Leibovitch a de la religion. Ah, en tous les cas, pas de la religion, mais en tous les cas, de la foi. Il parle surtout de la question de la foi. Et pour vous donner un exemple, alors j'avais voulu vous citer ces textes-là la dernière fois, mais je n'avais pas eu le temps. Leibovitch écrit, par exemple, dans son livre « La foi de Maïmonide », et on va analyser ce petit texte en conclusion d'aujourd'hui. Il nous dit « La plupart des systèmes religieux n'ont pu se libérer d'une vision anthropomorphique de Dieu à travers leur tentative de le penser à l'aide de catégories tirées de la raison humaine et d'attributs empruntés au monde des valeurs humaines. » Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont considéré que la manière dont on sert Dieu ressemble étrangement à la manière dont on va servir son patron, dont on va se conduire dans la vie avec les autres êtres humains. Et donc, on va, de la même manière que s'agissant des relations humaines, on attend quelque chose d'une sorte de va-et-vient dans les relations humaines, alors on attend quelque chose de Dieu. Ça peut être le paradis, ça peut être le bien-être dans la vie terrestre, ça peut être différentes choses. Ils n'ont pu s'élever, nous dit Leibovitch, au niveau de la connaissance épurée de Dieu qui fut celle d'Abraham, qui, lorsqu'il est arrivé au sacrifice de son fils, on en a parlé dans nos causeries sur la Bible autrement, il est arrivé à une notion où il a compris qu'on ne peut pas attribuer dans son rapport à Dieu aucune notion des catégories qui sont relatives aux valeurs humaines. Et que même lorsque c'est le service de Dieu lui-même qui est en question, puisque le sacrifice de Dieu, le sacrifice d'Isaac, pardon, c'est le sacrifice de l'absurde, et bien, même là, on sort complètement d'une vision où on aurait une quelconque attente de Dieu. Et Maïmonide et Leibovitch vont nous conclure cette phrase en disant quelque chose sur lequel je suis absolument en désaccord avec lui, mais je le pose parce qu'on va le voir dans les semaines qui suivent. Il dit « Tout système religieux qui n'a pas pu se libérer de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire du fait de considérer l'homme au centre, et donc le rapport au divin devient un élément constitutif de l'initiation humaine, rappelez-vous, c'est toute la problématique que nous posons depuis le début, est durement ébranlé par la position de Maïmonide, et là il a cette phrase, et je ne sais pas d'où il la tire, qui nie la centralité de l'homme dans l'univers. » Alors, je précise ici tout de suite que quand on parle de la centralité de l'homme, on n'est pas dans la question galiléenne avec l'histoire de Copernic et l'histoire de... Non, ça c'est un débat théologique qui vient du monde de l'Église et qui repose sur une erreur tragique. Hein, il n'y a jamais eu, on en a parlé l'année dernière longuement dans notre causerie sur la création, il n'y a jamais eu de problématique liée à la cosmogonie par rapport à la centralité de l'homme dans le contexte religieux. Dans le contexte biblique, qui définit l'homme comme, entre guillemets, l'élu de la création, elle ne le définit pas comme l'élu de la création à partir de paramètres extérieurs à l'homme, hein,
qui viendraient nous dire il faut que la Terre elle soit absolument au centre pour que ça fasse sens, ça n'a pas de logique. Mais à partir de la mission de l'homme en lui-même, à partir de l'individu humain qui a une mission à porter. Pour donner un exemple, si moi je donne à un de mes enfants un rôle, à partir de cet acte à accomplir, ou alors je détermine des rôles parce que je suis patron d'une société, je détermine des rôles à certains individus, à partir de cet acte à accomplir, il est la centralité de cet acte à accomplir. Il est tout à fait possible que dans la création de l'univers, il y a des créatures qui ont une mission plus importante encore que celle de l'homme. Mais elles ne sont pas centrales pour l'homme, puisque l'homme, il a sa propre mission, et la centralité de l'homme dans la création se situe à partir de sa propre mission. C'est cette phrase qu'on a dans le Talmud, qui est une phrase extrêmement éclairante, qui dit tout simplement, je vais le dire en hébreu et le traduire, « Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Olam ». L'homme a l'obligation de dire « C'est pour moi que le monde a été créé ». Qu'est-ce que ça veut dire « C'est pour moi que le monde a été créé » ? Ça veut dire que ma responsabilité face à la création relève de la place que moi j'ai dans le monde. Et cette place que j'ai dans le monde, elle devient centrale parce que cette centralité est constitutive de ma propre mission. Elle n'est pas centrale d'une façon ontologique. On ne sait pas si l'humain est réellement central ou s'il n'y a pas un autre être qui serait plus central que lui. Mais cet autre être, il a une mission qui ne me concerne pas. Donc de ce point de vue-là, lorsque Leibovitz dit que Maïmonide nie la centralité de l'homme, il ne parle pas de la manière de Galilée qui a dit « mais non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas la Terre qui est au centre, etc. » Il en parle d'une manière purement philosophico-théologique, ou théologico-philosophique. Puisqu'il dit, en fait, que pour Maïmonide, l'action de l'homme, la mission, en fait, de l'homme sur Terre, c'est uniquement d'être devant Dieu, de servir Dieu. Et toutes les initiations possibles, y compris l'accession à la prophétie qui est l'ultime, on va faire toute une causerie là-dessus, hein. Je pensais même faire une année entière sur ce sujet-là, mais je pense plutôt qu'on abordera le messianisme l'année prochaine, et la prophétie, on fera quelques séances là-dessus un peu plus tard, parce que c'est un sujet qui est extrêmement central dans la pensée de Maïmonide, qu'en réalité, c'est seulement pour Leibovitz un moyen de se tenir debout devant Dieu. Mais en réalité, c'est là où on n'est pas d'accord, Maïmonide, en réalité, de notre point de vue, pose bien la centralité de l'homme, et on pourrait même dire que le fait de servir Dieu constitue là encore un moyen pour que l'homme parvienne à cette relative perfection qui lui a été donnée d'atteindre. Ça, on va le voir plus tard. Mais je vous ai cité ça pour vous montrer que lorsqu'on prend Kant, là j'ai pas le temps, mais on verra que Leibovitz essaie de se distancer après de Kant, mais en fait, ça ne tient pas à ce qu'il dit. Lorsqu'on prend la conception de Kant, on a, en fait, dans la conception de Kant, l'idée de dire « il n'y a pas d'autre raison d'agir moralement que la morale. » C'est la seule raison, il n'y a pas d'autre cause. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autre cause que la morale pour agir moralement, y compris le fait que ça me permette d'atteindre une certaine perfection dans mon initiation, ça aussi, ça serait déjà un intérêt. Donc on est exactement dans la même configuration de Leibovitz. Et nous verrons, nous qu'en réalité, le fait d'atteindre une initiation et même le fait de chercher une satisfaction dans notre acte est constitutif du désintéressement. Ça, on va le voir plus tard. Pour l'instant, on pose les éléments. Alors, donc, dans la phrase de Leibovitz, Leibovitz conclut donc que l'homme n'est pas la finalité de la création. Et par rapport à Kant, il considère que ce qui distingue la morale, on va dire, de Kant, de la morale de Maïmonide, c'est que pour Kant, la morale, c'est l'absolu, puisqu'il n'y a pas besoin de religion ni de Dieu, alors que pour Maïmonide, l'absolu, c'est la vérité de son être à lui. La morale est un moyen pour atteindre cet absolu. Là encore, pour moi, c'est uniquement des appellations, des étiquettes. On détermine que chez Maïmonide, c'est le service de Dieu qui compte plus que la morale. Enfin, c'est pas que c'est plus que la morale, mais que c'est le service de Dieu qui compte dans son système de pensée. Et que la morale, c'est un garde-fou qui permet à l'homme de parvenir à cette connaissance de Dieu, épurée de toute fantaisie dans sa lecture des commandements divins.
Et que Kant, lui, il pense au contraire que la religion n'est pas nécessaire quand on agit moralement, parce qu'on n'a pas besoin de religion quand on a la morale, pour être justement un être de conscience. En réalité, ce sont des appellations. Mais dans le cœur de la pensée de Leibovitz, Maïmonide et Kant se rejoignent dans l'idée que l'action que j'accomplis doit être dépouillée d'aucune espèce, ni d'intérêt, ni de satisfaction, ni d'évolution humaine, ni de recherche, ni de quête, on va dire, d'évolution humaine dans mes actes. Ce qui, évidemment, s'oppose, pour moi, au principe fondamental du rapport entre les commandements et la raison, que j'aborderai les semaines suivantes. Là, j'ai posé quelques éléments à partir de Kant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra comment le Talmud a répondu à cette question du rapport entre le désintéressement et la satisfaction de l'homme. Donc là, j'arrête la vidéo.